Bonsoir tout le monde. Bienvenue chez vous. C'est ici que vous habitez. C'est ici que nous habitons tous ensemble. Dans une maison qui accueille la vie depuis au moins 3 milliards d'années. Qui accueille nos ancêtres depuis 7 millions d'années. Qui nous accueille, Homo sapiens sapiens, depuis environ 200 000 ans. Il y a 5 jours, le dernier rapport du GIEC est tombé. Il annonce que nous devons agir maintenant. Il annonce que nous avons 3 ans pour commencer à baisser nos émissions de gaz à effet de serre et conserver ainsi une planète vivable. 3 ans pour agir dès maintenant et conserver une planète vivable. Nous sommes entrés dans la grande accélération, l'anthropocène ou le capitalocène, l'ère du dépassement des limites planétaires, l'ère hors sol. Vous connaissez sûrement le constat. Changement climatique, extinction des espèces, raréfaction des ressources. Vous connaissez aussi sûrement les conséquences si nous continuons comme ça. Guerre, famine, épidémie, migration. Vous connaissez aussi la perte de notre autonomie et de notre dignité qui pourrait nous attendre. Compliqué de résumer notre situation évidente et complexe. L'essentiel est de se dire ceci. Nous prenons trop. Notre maison s'érode et s'épuise. Notre terre devient invivable. Que faire ? Pour répondre à cette question, laissez-nous vous raconter une histoire. Une histoire collective. Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur, en rouage essentiel, d'un système capitaliste de surconsommation. En novembre 2018, Clément Chouanne prononce ce discours lors de la cérémonie de remise de diplôme de Centrale Nantes. Il se fait alors l'écho de 30 000 étudiants, signataires du Manifeste pour un réveil écologique, qui affirment leur détermination à changer un système en lequel ils ne croient plus. Ces jeunes, c'est nous. Nous qui avons entendu le cri d'alarme des scientifiques et de Greta Thunberg. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Ces jeunes, c'est nous. Nous qui avons suivi en direct la démission de Nicolas Hulot le 28 août 2018. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux là ? Oui, je suis sérieux. Ces jeunes, c'est nous. Nous qui nous souvenons de cet été 2018 marqué par des événements climatiques extrêmes. Nous et beaucoup d'entre vous, ces générations futures que le développement durable a échoué à prémunir des catastrophes écologiques. Nous qui, comme le dit Maxime de Rostolan, avons 20 ans aujourd'hui et devenons matures en même temps que le sujet de l'effondrement de notre civilisation. Et nous, nés bien avant aussi, parents ou grands-parents de cette génération climat, qui nous battons depuis longtemps en défricheurs de l'écologie ou prenons tout juste conscience. Car c'est bien ainsi que débutent nos chemins. D'abord, nous prenons conscience. Nous prenons conscience que quelque chose ne tourne pas rond. Cassandre et Audrey. Notre bascule n'a pas de point de départ, mais a commencé par une intuition viscérale, celle d'un profond dysfonctionnement de tout le système qui nous consumait à petit feu et créait chez nous un appel à agir. Nous prenons conscience des périls écologiques, des injustices criantes et de la dynamique systémique qui, permettant leur conjonction, nous fait déjà traverser de graves crises énergétiques et alimentaires. Nous prenons conscience qu'une croissance économique infinie est impossible sur une planète aux ressources finies. Ainsi d'Hélène, après son école de commerce. J'ai très vite compris ce qui me dérangeait autant dans ce grand groupe. La seule chose qui compte, c'est la croissance. Nous nous inquiétons, pas tant d'un trop peu que du trop plein de cette époque engoncée dans une fausse abondance offerte à quelques-uns au détriment de tant d'autres. Hugo, alors en école d'ingénieur.
La crise climatique est l'étincelle qui permet de nous rendre compte que le modèle économique et sociétal dans lequel nous vivons n'est pas viable. Ce ne sont pas les émissions de gaz à effet de serre qu'il faut traiter, mais le système qui les cause. Souvent, nous avons fait des études. Nous travaillons et sommes en quête de sens. Bastien. J'ai 24 ans. Issu d'une famille normande moyenne, je suis aujourd'hui de celles et ceux à qui on promet un avenir radieux. Je viens d'être diplômé ingénieur et cet avenir, je le cherche. Aurélie. J'ai grandi hors sol, en région parisienne. J'ai suivi sans questionner les rails des études qui marchent bien, me conduisant d'un bac S à l'école polytechnique, en passant par la prépa parisienne Henri IV. Sans enthousiasme, je me crois voué à une carrière dans la finance ou l'assurance, dans la lignée de mes parents. Nicolas parle, lui, de son parcours comme celui d'un privilégié qui ne commence à douter de la marche effrénée du monde que lors de son entrée sur le marché du travail. Le travail. Pourquoi ? Pourquoi ce job ? Nous écrit Astrid. Qu'est-ce que j'y apporte ? Qu'est-ce qu'il m'apporte ? En domino, les questions en entraînent d'autres. Dynamique accélérée par l'émergence des Gilets jaunes et d'Extinction Rébellion à l'automne 2018. Il faut s'engager, il faut prendre de son temps, il faut faire des actions en public, à visage découvert, pour que les gens comprennent qu'en fait, on fait pas ça pour le fun. Cette démocratie, on va l'augmenter, quoi. J'en suis certain. Je pense que c'est juste que je fasse cette lutte. Je dois la faire, c'est une nécessité. Je sais que je fais le bien. Évidemment qu'on essaie de rendre ça fun, sinon c'est fini. Enfin, je veux dire, bien sûr que j'ai autre chose à faire de ma vie. Simplement, je pense que ça, c'est le plus important. Ces événements nous marquent. Certains se jettent à corps perdu dans la lutte quand d'autres redoublent de lecture pour comprendre comment on a pu en arriver là. Aurélie. Je dévore les livres les uns après les autres. Chaque page, chaque ligne résonne en moi comme rien n'a jamais résonné avant. D'autres encore dévorent conférences et documentaires. Demain, En quête de sens, Conspiracy, Jancovici, Giraud, Barreau, Bateau. C'est vif ou progressif, ça fait l'effet d'une claque, c'est toujours un chemin. Nous passons par toutes les émotions. Le vertige, Constance. Découverte après découverte, j'ai été prise de vertige face à l'énormité du problème qui était présent dans tous les domaines. Aurélie. Suis-je en train de poser un pansement sur une plaie superficielle alors qu'il y a hémorragie interne ? Peut-être même que je participe à accélérer cette hémorragie. Nous vivons aussi l'incompréhension et l'indignation. Jérémy. Comment était-ce possible que mes hautes études, mon poste à haute responsabilité, n'aient jamais fait mention de cette urgence écologique ? Enfin, nous passons par l'impuissance. Thibault. Difficile d'y voir clair entre deux tours de la défense et avec des semaines où les heures de travail ne se comptent plus et absorbent toute votre énergie. Ainsi, nous arrivons au bout de nos études avec l'amère sensation que ce pour quoi nous avons été formés est obsolète. Nous comprenons que réussir sa vie dans un système qui la détruit n'a pas de sens. Nous éprouvons une profonde dissonance cognitive. Dans nos conversations avec certains amis, nos proches, nous ressentons parfois un décalage. Il nous arrive d'être traités d'extrémistes quand nous nous croyons raisonnables. Nous sommes déconcertés par le déni de nos dirigeants, les promesses de croissance verte et le vernis vert de ces oxymores qui échouent à dissimuler la couleur noire des énergies fossiles auxquelles nos économies sont droguées. Il s'agirait d'être sérieux. Le déni nous est impossible, la déprime n'est pas tenable. Reste l'action. Mais pas n'importe laquelle. Il faut d'abord s'en sentir capable. Trop souvent, nous manquons de légitimité, de confiance. Constance. Je regardais les gens de mon âge s'engager et je trouvais ça très beau. Mais je ne trouvais pas le courage ni la légitimité de passer à l'action. Hélène. Personne n'attendait de moi que je sois engagée. Ça n'entrait pas dans les clous. Nous faisons face à des obstacles financiers, matériels ou émotionnels. Nous rechignons à sortir de notre zone de confort. Nous doutons, mais la réalité se rappelle à nous. La question n'est pas de savoir si le système doit changer. La question est de savoir si l'on souhaite qu'il change avec nous, par volonté, ou sans nous, par contrainte. Caroline. Il n'y a pas de débat à avoir sur l'urgence climatique. Elle n'est pas un choix. Elle s'impose à nous à cause de nous. Ou comme l'écrit Combes,
Ces embruns d'une catastrophe imminente nous giflent. Agir n'est plus une option parmi d'autres. Il nous faut donc faire le deuil des fausses solutions et intégrer, comme le rappelle Damien Carême, que les seules solutions capables de nous assurer un avenir viable vont bouleverser nos vies. Nous nous lançons, pris dans cette urgence qui va durer, course de vitesse et course de fond à la fois. Romain. J'ai pris la décision la plus raisonnable et la plus sage que j'avais à prendre au vu de l'état actuel de notre planète. Donner toute mon énergie pour nous faire basculer vers un modèle de société écologique et respectueux du vivant. Si ce n'est pas maintenant, alors quand, Si ce n'est pas nous, alors qui Nous basculons. Décidés à permettre demain, nous nous sentons responsables d'œuvrer pour que le changement climatique ne déferle pas sur des radeaux de fortune, mais sur des voiliers apprêtés aux tempêtes. Nous voulons nous émanciper des progrès aveugles et des conservatismes mortifères pour habiter la Terre avec respect, en équilibre, à la logique de l'extraction sans compter qui destitue le vivant, nous substituons un regain d'attention à l'égard de ce qui nous constitue. Nous voulons incarner ce à quoi nous aspirons, diffuser des alternatives viables et prolonger la colocation de notre espèce avec celle qui peuple la Terre. Armés du courage, de la lucidité, l'envie d'agir balaie pas mal d'excuses. Le chemin de l'engagement s'ouvre comme une évidence. Associations, grèves pour le climat, ateliers de sensibilisation, désobéissance civile, tentatives de décarbonation des entreprises et des administrations, Tour de France des écolieux, conventions citoyennes, lettres de démission, formation en agroécologie, influence politique. Nous tentons tous les leviers. Nous nous égarons parfois pour reprendre mieux ailleurs. Sans transiger sur la radicalité à laquelle nous oblige la situation, nous considérons, comme Nina, que les formes d'engagement doivent être multiples parce qu'elles sont complémentaires. Tout est lié, tout est politique, tout est systémique. Réunis par quelque chose de plus grand, si tangible pourtant, nous construisons en commun. Un élan de vie nous habite, une flamme, une ferveur au cœur de cette danse dont nous faisons notre sens. Débattre, marcher, créer, être ensemble, tendus avec nos différences vers la même cause, sont des expériences libératrices, enivrantes presque. Décrit comme Pablo Servigne, parle-lui. Des frissons qui vous font savoir que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous dépasse, quelque chose d'unique, quelque chose de juste. Aurélie conclut. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce chemin me conduit droit vers la vie et qu'il n'y a pas de demi-tour possible. Née d'une idée lancée dans les couloirs d'une polyclinique désaffectée en Centre-Bretagne en août 2019, Basculons renonce autant à l'irresponsable fatalisme qu'à l'optimisme incantatoire. Ce livre ambitionne plutôt d'ancrer le message d'une responsabilité joyeuse, d'un engagement lucide, concentré sur l'essentiel et attentif aux complexités. Face aux effondrements en cours, nous ravivons humblement. Aujourd'hui, nous sommes des centaines, des milliers à emprunter ce chemin. Serons-nous, demain, après-demain, lors du vote et les mois suivants, des millions à nous lancer dans cette bascule ? Maintenant. Tout de suite. C'est en train d'arriver. Aux générations qui ont voulu refaire le monde, puis empêcher qu'il ne se défasse, succèdent celles qui veulent le faire atterrir. Nous en sommes. Et vous ? Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Bonsoir à tous à nouveau. On est très heureux de vous retrouver ce soir. Il y a quelques têtes connues, d'autres têtes moins connues, et ça fait plaisir de les voir aussi. Basculons est donc un livre sur lequel on travaille depuis 2 ans et demi avec Maxime et avec une cinquantaine de personnes, plus d'une cinquantaine de personnes qui sont impliquées dans ce projet. On tient à les remercier ce soir. On tient à remercier également le Grand Control qui nous accueille ce soir. Mathilde, Léo, Élise, Estelle, Thomas et Thibault qui sont à la régie, merci à eux. On tient également à remercier tous les contributeurs du livre qui comptent donc 30 témoignages de jeunes qui ont entre 20 et 35 ans, qui se sont engagés sur des chemins de bascule vers l'engagement écologique. Et on se tient à remercier également les 17 acteurs et actrices des transitions, députés, agronomes, chercheurs, activistes, engagés depuis longtemps et qui ont accepté de porter leur regard sur l'engagement de cette jeune génération
L'objectif étant de faire de ce livre un recueil intergénérationnel pour montrer que c'est bien tous ensemble qu'on réussira à affronter les défis de notre époque. Ceci étant dit, nous allons passer du coup à la suite de la soirée et nous allons commencer avec un format qui s'appelle « Histoire de ma bascule ». Quatre contributeurs et contributrices du livre vont passer pour vous raconter en 5 minutes l'histoire de leur bascule. Puis nous aurons 2 tables rondes de prévues. La première qui s'appelle « La bascule agricole », émotions, enjeux et perspectives. Et la seconde qui s'appelle « Changer de système, changer le système, la bascule écologique à l'épreuve du terrain ». Bonne soirée. Je rajoute que bien sûr, les livres sont disponibles à la librairie qui est juste à côté, pour information, celles et ceux qui se demandent, et qu'on fera potentiellement une séance de dédicace avec toutes les personnes qui sont présentes et qui ont contribué au bouquin, pour celles et ceux qui veulent se prêter au jeu de la dédicace. Merci. Et nous commençons donc l'histoire de ma bascule avec Julie. Depuis qu'on est né, voilà ce qu'on nous rabâche à nous les jeunes. Fais de longues études, travaille, consomme. Écoute ce qu'on te dit, sois efficace, méfie-toi des autres. N'exprime pas tes sentiments, consomme encore et tu seras heureux ou heureuse. On nous dit d'aller en cours, de nous asseoir, d'écouter et d'apprendre par cœur. On nous dit d'aller devant des écrans tous les jours, parfois même jusqu'à s'endormir dessus. On nous dit il faut savoir se vendre, qu'il faut se montrer fort et forte, qu'il faut se battre pour avoir un salaire décent. On nous apprend à être en compétition, à ne pas faire confiance aux inconnus. On nous dit que c'est ça la vie. Vraiment ? C'est ça vivre ? Ça a du sens cette vie ? Ces mots, nous les avons écrits en juillet 2020, avec certains et certaines d'entre vous ici, dans une tribune dans Libération qui s'appelle La rage de vivre. La rage de vivre, ce mot, il a beaucoup de sens pour moi et il a fait partie de ma bascule. Parce que basculer, c'est intense. Basculer, c'est déjà de joie, de la peur, de l'angoisse, des retournements, des questionnements, des échanges. C'est ça, basculer. C'est grandir. C'est ouvrir les yeux sur le monde. C'est changer de cap. Et moi, ce qui a fait ma bascule, ce sont les autres. Ce sont des rencontres. Ma bascule, c'est Maxime, c'est Hugo, c'est Corentin, c'est Raphaël, c'est Margot, c'est Chloé, c'est toutes ces personnes. Ces personnes qui ont semé des graines, qui m'ont fait ouvrir les yeux, qui m'ont permis de me poser les premières questions, ces premières questions existentielles qu'on se pose. Il est comment ce monde ? On veut en faire quoi ? Comment on peut le rendre meilleur ? Et là, tout est allé très vite pour moi. La première chose, c'est que j'ai fait un tour de France des solutions alternatives à la rencontre d'acteurs et d'actrices du changement partout sur les territoires. Et là, première claque. Ensuite, j'ai été en école de commerce, en cours de finance, et on me dit que le profit et la croissance, c'est tout ce qui vaut, que les humains, on les met derrière. Deuxième claque. Septembre 2018, démission de Nicolas Hulot. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Et on organise la première marche pour le climat à Toulouse avec des milliers de personnes. Et ça, c'était incroyable. C'est la première fois que je mettais les pieds dans la rue. C'est la première fois que je faisais une marche. Ça, c'est ma troisième claque. Et ensuite, il y a eu une deuxième marche, une troisième marche, des marches avec les gilets jaunes. On a bloqué un pont. On s'est fait gazer. Quatrième claque. Tout ça en quelques mois. Ça va très vite, c'est fulgurant. Ma famille ne me comprend plus. Je suis colérique, je suis triste, j'ai 1 milliard d'émotions, j'ai besoin de soutien. Mais je sais que jamais je ne retrouverai en arrière. Je sais que c'est le bon moment. Je sais pourquoi je suis là. Et finalement, ce qui m'a permis cette bascule, ce qui m'a aidée, c'est le collectif. C'est une bascule collective. Je n'ai jamais été seule, jamais dans l'isolement. Et c'est ça qui fait la force de ce moment-là. C'est des collectifs, des associations, des projets. C'est pour ça que je me lève tous les jours. C'est pour ça que j'ai refusé un CDI, un 35 heures aujourd'hui, pour être activiste, pour être militante, pour vivre de ça, parce que c'est ce qui fait le plus sens pour moi aujourd'hui, chaque jour, chaque seconde, chaque minute. C'est pour ça que je me bats, et pour rien d'autre.
Et j'aimerais citer une citation de Maxime, qui me tient beaucoup à cœur et qui compte beaucoup sur cette question de bascule collective. C'est que je ne sais pas ce que je vais faire dans plusieurs mois. Je ne sais pas où je serai. Mais je sais avec qui je vais le faire. Et pour finir, j'aimerais vous lire les dernières phrases de la tribu La Rage de Vivre que je vous ai lues au début. Voilà ce que c'est d'être un ou une jeune engagée en 2020. On puise dans notre indignation, nos rêves et notre joie de vivre pour se détourner d'un modèle obsolète et incarner et militer pour des modes de vie plus résilients, plus désirables, plus épanouissants. Notre monde d'après, ça y est, il est là, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. Il est là maintenant, sous nos yeux, sous nos actes. Aujourd'hui, plus que jamais, on a la rage de résister. On a la rage d'aimer. On a la rage de vivre. Aujourd'hui, on dévie et on revit. Bonsoir, moi c'est Todo, Nicolas Todorovic, et je vais vous raconter l'histoire de ma bascule. Quand j'arrive en école d'ingénieur en 2014, je ne me pose pas vraiment de questions sur l'organisation du monde, la planète, l'environnement. Chacun découvre un nouvel endroit. C'est le début des éco-gestes, mais ma promotion n'y est pas vraiment sensible ou sensibilisée. On se préoccupe plutôt de consommation, on réfléchit comme si le monde était infini ou que nous étions immortels. Manif climat, gilets jaunes, les études sont finies, on les critique dans un discours. Je suis dans les étages de ma tour vitrée, consultant, jeune diplômé, surplombant le monde, contemplant le désordre se répandre. Je ne comprends pas. Pourquoi une telle révolte ? Je ne me sens pas concerné, je ne suis la politique que de très loin. Mais qu'est-ce que je fais là ? À quoi je sers ? Mon inactivité me laisse du temps pour réfléchir. Le projet de mon client n'a pas de sens. Je suis dans la voiture du monde du travail et je viens de vivre un gros accident de la route. Est-ce que par mon activité, je ne participe pas à la désorganisation du monde, à la quête continue de croissance économique ? Celle-là même dont on sait qu'elle ne peut que finir par s'arrêter ? J'emploie un langage tellement vide de sens que je me demande pourquoi mes collègues de l'open space sont encore là, à faire semblant. Presque aucun des masques ne tombe dans mon entourage. Et dans le silence de l'open space, je suis pourtant sûr de ce que j'ai lu. J'ai enchaîné sans arrêt du Pablo, du Ozano, du Janco, du Damasio, du Lalo, du Biwix, du Graber. Je découvre et je bascule. Les chiffres, les ordres de grandeur, la grande machinerie des stocks et des flux, ça m'a parlé. L'interdépendance, le rôle des énergies fossiles, j'en prenais conscience et je ne voulais plus y participer. À cette époque, je suis révolté. Je refuse de faire comme mes collègues qui voient défiler les années bien sagement. Comme d'autres en ce moment, je démissionne. J'ai envie de mettre le monde en pause pour qu'on discute. Je prends conscience que j'ai été formé dans les meilleures écoles pour contribuer à la marche du monde. Je dois quitter ce monde-là, faire mon possible pour ce fameux monde d'après. Mais monde d'après quoi ? Je prends le large. J'ai testé plein de choses, rencontré plein de monde. Après l'armée, je continue de sortir de ma zone de confort pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe en moi. Pourquoi cette dissonance cognitive m'a frappé si fort ? Je pars loin. Je rejoins un équipage qui part traverser l'Atlantique à la rame. Je reviens en France en janvier 2020 avec une liste d'expériences à tenter.
J'essaie le mythe de l'écolieu, quasiment autonome. J'apprends à me resservir de mes mains, à quitter la tête, qui a beaucoup bossé pendant les études, pour me reconnecter à ce qui m'anime vraiment. La 21e nuit sur le bateau, je me suis vu mourir. J'ai pris conscience qu'un jour je partirai et que mon temps est précieux. J'explore et je me forme. Le confinement nous prend tous par surprise. Je rejoins les secouristes de la protection civile. Je participe à la prise en charge de victimes. Je vis sur le terrain la détresse des plus précaires, l'isolement. Je me porte volontaire pour renforcer les chambres mortuaires. Deuxième expérience avec la mort. La perspective de la fin donne du sens à l'existence. Et pendant tout ce temps, je continue de me former. Je multiplie les approches, plutôt froides, rationnelles, scientifiques, avec des rapports, ou plus chaudes, avec des expériences, des parcours, des coopérations, plutôt fertiles. J'explore. Début 2021, je me sens légitime pour agir politiquement. Débattre d'idées avec des jeunes et des moins jeunes. Savoir ce qui fait que nous faisons société et m'engager pour la changer. Je veux amener les enjeux énergie-climat à l'Assemblée nationale avec le parti Equinox. Pour que d'autres puissent entendre que c'est possible, que nos anxiétés et nos angoisses se sentent représentées. Et comme beaucoup, j'ai basculé. Et vous ? Merci. Je prédis que de notre vivant, on parlera d'astronomie sur les marchés. On avait toujours dit que les astres étaient fixés sur une voûte de cristal pour qu'ils ne puissent pas tomber. Mais nous avons pris le courage et nous les laissons en suspens dans l'espace, sans soutien. Et ils gagnent le large comme nos bateaux, sans soutien, au grand large. Et la Terre roule joyeusement autour du Soleil. Mais l'univers, en une nuit, a perdu son centre et au matin, il en avait d'innombrables. Si bien que désormais, le centre ne peut être considéré partout, puisqu'il n'est nulle part. Et nous voilà soudain avec beaucoup de place. Ce texte, c'est une citation de la vie de Galilée. Il faut savoir que Galilée, défendant le modèle héliocentrique de Copernic contre le modèle géocentrique prôné par l'Église, Galilée a changé notre vision de l'univers et démontré que notre conception du monde à cette époque reposait sur des conceptions scientifiques erronées. Je crois que nous sommes actuellement confrontés à une situation similaire, forcés de constater les erreurs du modèle capitaliste et les dogmes de l'économie de marché. Les scientifiques nous le disent, à cause de notre obsession de la croissance, nous avons atteint les limites biologiques de notre planète. Notre modèle de société est obsolète et il nous faut en mettre en place un nouveau, respectueux des lois du vivant. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, je suis avocate de formation, juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones. Si j'ai basculé, c'est certainement parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelques Galilées au cours de ma vie. Valérie Cabanne, qui est juriste en droit international, spécialiste du crime d'écocide, et Alexis Tchouka, qui est aussi juriste amérindien, qui fait partie de la nation Kalinya de Guyane et qui s'est battu toute sa vie pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Il m'a transmis son savoir et son immense amour pour cette culture. Il faut savoir que je partais de loin, puisque après l'université et avec mes premiers procès, j'ai constaté que le droit de l'environnement était en fait pas du tout à la hauteur. Alors que je pensais que c'était une arme ultime pour faire face aux grands pollueurs, il s'avérait que dans les plus grands cabinets d'avocats, on défendait Total, Monsanto, Vinci, je me suis pris une énorme claque. J'ai ressenti le besoin d'aller chercher ailleurs des clés pour comprendre le problème systémique au sein de notre société occidentale. Abandonnant l'idée de travailler dans un cabinet d'avocats parisien, je suis donc partie en Guyane française. Là-bas, j'ai découvert le droit coutumier amérindien, le droit de la terre, l'organisation ancestrale des villages, et j'ai découvert un monde dans lequel la propriété privée n'existe pas, où les droits collectifs assurent la cohésion des peuples et la survie de leur identité. Cette expérience m'a permis de comprendre le grand écart existant entre nos deux mondes,
D'un côté, le monde occidental, reposant sur la reconnaissance de droits et de libertés individuelles, instaurant une culture de la compétition plutôt que de la coopération, encourageant les logiques d'accaparement court-termiste. Et de l'autre, un monde construit sur le respect des droits collectifs, sur la préservation de la Terre et sur la survie du groupe. D'un côté, une civilisation qui pense que la Terre lui appartient. De l'autre, une civilisation qui est fière d'appartenir à la Terre. L'Église avait soutenu l'existence d'un modèle géocentrique, dans lequel les planètes reposaient dans des sphères de cristal. Le capitalisme, lui, a laissé nos vies dans la main invisible du marché. Or, nous sommes forcés de constater que cette fiction contemporaine doit opérer une seconde révolution. Une seconde révolution copernicienne qui va faire basculer notre représentation du monde pour nous faire prendre conscience de notre véritable place dans l'univers. Inspirée par le droit autochtone et le mouvement pour la reconnaissance des droits de la nature, et pour contribuer à la diffusion de ces idées, j'ai créé une école qui s'appelle Wild Legal. Une école qui est aussi un incubateur pour former des actions pour les droits du vivant. Grâce à des campagnes engagées auprès des associations de terrain, nous avons pour objectif de former une nouvelle génération de gardiens de la nature. Si ça vous dit, rejoignez-nous. Basculer au départ, c'est une histoire de cul. Mais rassurez-vous, ce qui pourrait passer pour une entrée en matière un tout petit peu légère, c'est très sérieux. Dans le dernier dictionnaire de l'Académie française, si vous lisez bien, au 17e, basculer, ça voulait dire frapper le cul de quelqu'un en le frappant sur le sol. Je vous laisse vous faire une image. Et puis le sens a évolué. Après, ça a voulu dire délibérément de soi-même perdre le contrôle et tomber. Et enfin, ça a voulu dire s'engager dans une direction complètement opposée. Là, on y est. Ma bascule, elle a connu une trajectoire opposée à cette étymologie. J'ai d'abord décidé de m'intéresser à cette transition. C'était un choix. On était en 2015. J'étais étudiant-chercheur en mathématiques. C'était la COP21, tout Paris parlait climat. Les vendeurs de journaux, les diplomates, les chefs cuisiniers, les juristes, les ingénieurs, tout le monde. J'ai tout de suite été séduit. Alors je me suis engagé. D'abord dans une ONG, puis par mes études. C'était facile. Puis tout s'est accéléré. Ce monde étant petit, il faut être sur tous les fronts. L'agriculture, comme le numérique. Les pétitions, comme les procès. L'initiative, comme le soutien. Le virtuel, comme le présentiel. C'est là qu'intervient ma seconde bascule, la perte de contrôle. Comme sur un cheval de bascule, j'ai été pris d'une forme de fibrillation, me condamnant à faire du surplace. À empiler 50 livres de Sun Tzu à Cholet en passant par Elite sans dégager une seule minute pour en commencer un seul, à profiter d'aucun événement. Et la suite logique d'une fibrillation, c'est l'arrêt cardiaque. C'est ma troisième bascule, celle où on se retrouve sur le cul. Je la vis encore en ce moment. Son origine, c'est une immense lassitude, nourrie par le sentiment de ne pas avoir les bons outils, et notamment de ne pas parler les bonnes langues. Alors comment convaincre quand on ne maîtrise pas les codes de la personne à qui on s'adresse ? Je me suis donc mis en retrait, dans une sorte de sommeil militant. Ça peut sembler absurde d'aller dormir quand le monde est en train de brûler. Et pourtant, on a beaucoup parlé d'école d'ingénieur, là. C'est une des seules choses que j'ai retenues de mes 3 années d'école d'ingénieur. C'était un cours de gestion de crise. Vous savez ce qu'il faut faire en situation de crise ? Il faut commencer par envoyer un tiers des troupes dormir, pour être sûr de pouvoir la gérer en continu, cette crise. C'est ce que j'ai décidé de faire. Pas d'aller dormir, mais de me mettre en retrait pour préparer l'ENA. Alors après avoir été à l'ONU, avoir lancé des procès contre l'État, contre des grandes entreprises, multiplié les interviews, créé des associations, rédigé des manifestes, des pétitions, j'ai décidé de me mettre en retrait. Et croyez-moi, en temps de primaire populaire, de rapport du GIEC ou de mobilisation de Total en Ouganda, c'est très très difficile d'apprendre la comptabilité tridimensionnelle. Et pourtant, j'ai la conviction qu'à un moment, ce sera utile de parler la langue de l'administration. En parallèle, pour éviter de perdre pied, parce que c'est possible en prépa ENA, j'écris une conférence sur les imaginaires,
à destination des créateurs de culture. L'idée, c'est toujours la même. Traduire les messages qu'on martèle depuis 50 ans maintenant dans une langue audible. Car si nous n'avons pas de présidente écolo aujourd'hui, si nous n'avons pas 100% d'agriculture bio, s'il y a encore du plastique partout, c'est pas parce que nos idées sont pas intelligentes ou pas claires, c'est parce qu'on n'a pas fait l'effort de parler la langue des personnes qui nous écoutent. Il est donc urgent d'en apprendre d'autres, et pour ma part, j'apprends celle de l'État, et je commence à apprendre celle de l'art. Voilà, une bascule n'est jamais simple et jamais seule. Comme les changements climatiques ou l'effondrement, c'est un mélange de chocs très identifiables et de mutations lentes. Mais indéniablement, qu'elles soient subies ou construites, individuelles ou collectives, les histoires de bascule donnent un sens à ce que nous vivons. Je fais donc mien le conseil, la maxime, je pourrais presque dire, du rabbin Naaman de Breslav. Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît. Tu risquerais de ne pas te perdre. Merci. Je m'appelle Romain. D'un côté, je sensibilise aux questions climatiques et de l'autre, j'organise des marches pour le climat et contribue à mettre l'écologie au pouvoir. Moi, c'est Aurélie. Je contribue au développement du mouvement des Tiny House en France et je pratique la redirection écologique des entreprises. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je m'engage en faisant une campagne législative ainsi qu'en aidant le Shift Project. Léna, formatrice à la transformation écologique, espèce d'animal hyper sociable appartenant à la grande famille des vivants. Je m'appelle Mathieu et je m'engage entre autres en déployant le modèle de comptabilité écologique CARE dans les entreprises. Je m'appelle Astrid et je m'engage pour aider au développement d'une agriculture régénératrice, respectueuse du vivant. Fabrice Bonifay, donc tel le colibri, via des articles, des conférences, un livre, j'essaie de sensibiliser les décideurs à l'urgence climatique et écologique, et j'étais très heureux de participer à l'initiative du livre intitulé « Basculons ». Je m'appelle Intrel, je m'engage dans le mouvement des jeunes pour un réveil écologique, et je suis fonctionnaire dans un grand corps d'État. Je m'appelle Manon et je m'engage en travaillant avec les éco-délégués d'un collège et en écrivant un livre. Bonjour, je m'appelle Maxime et je m'engage en créant des projets à impact écologique et notamment en ce moment une coopérative de transport de passagers à la voile. Je m'appelle Julie, je suis militante pour la justice climatique et sociale et je m'engage pour que l'art soit vecteur d'engagement. Je m'appelle Maxence Cordiez et je fais de la vulgarisation sur les sujets énergie-climat. Hélène Le Ténot. Notre fonds de dotation Jean-Noël Tourelle soutient le développement de l'intelligence du cœur des dirigeants pour passer du cœur aux actes et accélérer la transition. Je suis Bastien, j'œuvre à la transition agroécologique et à côté j'accompagne des jeunes ingénieurs dans leur bascule. Je suis Hélène et je m'engage en écrivant des histoires qui donnent envie de passer à l'action. Je m'appelle Jérémy, je vis actuellement dans une jungle tropicale en Martinique sans eau courante ni électricité pour essayer de vivre en autonomie. Je m'appelle Hélène et depuis que j'ai démissionné de mon job de cadre en grande distribution, je lance des projets à impact, notamment une conserverie anti-gaspillage au Mans. Salut, moi c'est Côme Guirchig, je suis un conférencier engagé. Ça veut dire que j'essaie de passer autant de temps à transmettre des messages qu'à les traduire en action. Je m'appelle Cassandre et j'accompagne les individus et les collectifs militants à travailler ensemble en coopération, donc avec plus d'écoute, plus de respect et surtout plus de joie. Cédric Riegenbach, je suis le fondateur de la Fresque du Climat et je travaille donc à sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible aux enjeux climatiques. Je m'appelle Sarah et je m'engage en créant une ferme agroécologique. Je m'appelle Tanguy et avec un collectif de 15 habitants et habitantes, je m'engage à dynamiser l'entraide et la biodiversité en Centre-Ouest Bretagne. À bientôt.